Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons retourner sur ensemble d'activités qui marquaient 212 l'année assassinat empereur Jacques Ier, papa Nanchon. C'est Pont Rouge, ensuite Marchand des Salines, et puis nous regardons tout, réalité que tu as gagné sous béton hein, par rapport à la manifestation que tu as annoncée pour demander reddition compte fonds Petro-Caribé. Pour nous faire tout ça, nous recevons porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler, qui a accepté de répondre à une question au matin. Madame Chandler, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, Serge Junior. C'est toujours un plaisir pour moi, la télévision nationale d'Haïti, dans l'émission Mise au point. Et bien, justement, pour nous faire parler avec la population, pour nous informer de qui ça la présidence a fait. Et dans le contexte, ça, pour nous faire un petit parler sur la journée 17 octobre, qui était hier. On démarre à Pont-Rouge, le président avec tout l'autre pouvoir dans l'État, a déposé un jet de fleurs dans le pied monument Jean-Jacques Dessalines. Mais après, c'est des situations pas si faciles, Wash et Katouche. Qui ça nous gagne au niveau de la présidence sur ça qui passe? Eh bien, au niveau de la présidence sur ça qui passe, nous avons dit que c'était une activité traditionnelle qui est toujours faite en rapport avec le devoir de mémoire par rapport à 17 octobre qui s'est. Événement triste dans l'histoire pays noir qui c'est assassinat et empereur Jean-Jacques Dessalines côté et chef l'État yo toujours à le déposer et gerbe de fleurs ça dans Pont Rouge côté action malheureuse ça lui-même l'idée faite effectivement président de la République là accompagné de première dame Martine Moïse avec une équipe l'autre autorité et a accompli devoir de mémoire ça faut dire nous que pendant que les devoirs ont été faits pendant que le président, avec l'autre autorité, accompagné de première dame, a déposé gerbe de fleurs. Là, le bagage était sous contrôle, l'activité à un moment que le président est là, est faite avec un pile sécurité, est faite avec un pile sécurité. Cependant, et nous devons déplorer qu'une fois que l'activité normale, tu as fait l'activité de mémoire, là, il y a des incidents, effectivement, il y a des jets de pierre, et il y a des tirés qui étaient faits qui pour détruire la sérénité et puis importance historique au moment ça. Nous ne pas aucun secteur, nous quoi qui t'a derrière ça, non? Bon, de toutes les façons, secteur pour ta DSA, c'est secteur qui, malheureusement, est voulu, nous avons le droit de dire, empêcher le développement dans le pays d'Haïti. Et les WAP tirés ont un espace pareil, un espace hautement symbolique pareil, les WAP GT Wash, un espace hautement symbolique pareil, c'est que quelque part tout, ou oublier ça, Pont Rouge, voulait dire, oublier symbolisme Pont Rouge, là, oublier ça, qui voulait dire, pour Timoun Yoto qui t'a suivi et qui voulait comprendre, et 17 octobre, là, ça voulait dire dans l'histoire pays, ça voulait dire pour yo, qui appelait à vivre et arrêter dans le pays. Pour l'instant, enquête la pral menée, mais nous avons dit que c'est regrettable et que c'est malheureusement un secteur qui ne pas comprendre hautement, qui ne pas comprendre symbole hautement historique. Ça prend où je voulais dire pour pays. Bon, photo qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi, bon, agent de l'USGPN qui t'a reçu en coup de roche. Effectivement, nous déplorer que gagnent des agents USGPN. Excusez-moi, dans le bilan, justement. Alors, nous n'avons pas parlé de Pont Rouge seulement, on a parlé de manière générale. OK, nous déplorer que gagnent des camions, des machines police, eux-mêmes, qui subissent des dégâts, des agents, tout, justement, qui subissent des atteintes à corps physique. Donc, effectivement, nous déplorer les situations sans yo. Et nous avons profité de l'antenne Sato, Serginho, pour nous remercier et la police nationale d'Haïti qui, malgré toutes difficultés que nous connaissons, que l'institution ça a gagné, que malgré tout défi que nous connaissons, que journée 17 octobre ça, en termes d'attente, en termes de sacté dictable gagné, et bien malgré toutes difficultés ça, yo, et bien la police nationale d'Haïti a joué son rôle, a fait son devoir, et nous remercions en pile la police nationale d'Haïti, nous remercions tout USGPN qui fait ça, yo capable tout, et avec toutes difficultés que nous connaissons, que l'institution ça a gagné, et bien pour remplir le rôle, yo, pour faire devoir. Yo. Deuxième étape, venir, c'est après le marchand. Mais avant ces mouvements de démarrer, on ressemble de parler, tu as parlé comme quoi des ministres qui étaient en difficulté, qui ont accès à machin, qui sont arrivés à bloquer Saint-Marc. Est-ce que, au niveau de la présidence, tu avais touché, qui ça n'était pas comme disposition
pour corriger la situation si c'était le cas. Bon, alors Serginho, ce n'est pas exactement au niveau de la présidence pour gagner des actions. Qui prend action au niveau du gouvernement, tu prends en amont, ça veut dire depuis un vent, côté effectivement, d'ailleurs, Premier ministre République là lui-même, il était fait, Premier ministre PIA, il était fait une adresse à la nation, côté il était expliqué que effectivement, j'en ai toujours dit, non, d'ailleurs, que manifestation, c'est un droit, c'est le droit à la parole, droit à s'exprimer, sans penser, son droit constitutionnel. Que tout le monde gagne, mais son droit pour exercer eh bien, selon les règles, selon les normes. Donc, disposition, nous te prenons depuis un vent, d'accord, côté, et nous, un responsable de l'autorité pays, nous te demandé la police nationale d'Haïti, eh bien, pour prendre toute disposition, côté toute disposition, nous te prenons effectivement, directeur général police nationale d'Haïti, tout est parlé, et donc, nous te prenons toute disposition en amont, dans le sens que nous, responsables, tu prends toute disposition, tu demandes tout le monde en charge pour te faire voler. Et de, nous avons dit tout au niveau psychologique, nous te montré la population que nous là, que l'exécutif là, que le responsable là, et que y a bien pour faire tout ça pour faire pour journée 17 octobre là, qu'a fait eh bien, dans le respect de cette date historique. Mais malgré ça, on a senti à un certain moment de journée, tu as marqué sérénité, tu as appelé le monde qui était paniqué, Madame Chandler, et tout le monde qui t'a porté national numéro 1 à hauteur de Saint-Marc. D'ailleurs, il y a une machine qui t'a transporté les journalistes, qui a sorti une activité, qui a pris un coup de roche, et qui a pris un confrère concerné, qui est vraiment dans une situation difficile. Eh bien, justement, m'a profité tout de antenne ça à Serginho en tant que porte-parole président de la République d'Haïti. Donc, ça veut dire qu'en tant que monde qui a en pile interaction avec la presse, je n'ai pas qu'à faire job moins sans la presse pas inviter, je fais job moins sans un journaliste pas inviter et faire job moins. Donc, m'a profité de antenne ça pour nous dire, tout journaliste, franchement, nous compatis à sa crivé ailleurs. La zone Saint-Marc là, et n'a tout profité tout dit que de toutes les façons c'est inacceptable, ce sont des travailleurs de la démocratie, ce sont des travailleurs du pays, et y a pas violence pas supposée faite sous personne, violence encore moins sous monde qui joue un rôle si important pour construction société, pour construction démocratie dans le pays a, qui c'est les travailleurs de la presse. Encore une fois, on a dit que nous compatis à tous frères, acteurs, amis nous qui dans la presse qui subit moment difficile ça côté vie yo même tu es vraiment en difficulté, et on a profité tout pour nous dire que encore une fois que c'est inacceptable que côté monde, côté de pays d'Haïti, constitution pays d'Haïti permet tout le monde exprimer tête yo, mais je nous toujours dire là l'expression parole sauf les dire sauf les faire passer, il supposé faire passer sans, il supposé passer sans violence, il supposé passer dans respecter droit monde, dans respecter vie monde, et là encore m'a redire Serginho ak violence sa yo inacceptable, nous pas tolérer yo, ce n'est pas la façon de faire, ce n'est pas la façon de construire la démocratie, ce n'est pas la façon de construire notre société. Mais entre temps là, et pour toute ville provinciale, il y a des cas qui ont illustré, on t'a blessé, machine qui t'a boulé, bilan ça va pas dire la présidence rien. Comment voulez-vous qu'un bilan pareil ne dise rien à la présidence? Bien au contraire, moi crois que police nationale d'Haïti pour l'instant fait état de 2 morts et fait état de 11 blessés, et nous déplorer ça nous-mêmes au niveau de responsable de monde qui est responsable au haut niveau de l'État. Nous te prenons toute disposition, nous te demander toute instance concernée yo pour yo faire de voix yo, et encore une fois nous remercier police nationale d'Haïti que yo même yo te rete tête frette, parce que on dit bagay la Jean Liéa et Serginho côté que effectivement gon mouvement qui était fait dans pays a pour faire des manifestations pour réclamer côté comme l'agent pétro caribé a passé ça yo fait avec lui qui sont mouvement social, qui sont mouvement lancé pour moun dans société a yo même qui a exercé droit pa yo pour yo mandé et bien petit moi yo même yo pral obligé remettre l'argent, moi même pral obligé vivre dans pays côté que l'argent te bay moi même faut me connait que ça, ce qui est tout à fait normal, c'est le rôle de la société civile. Au contraire, ça montre que jeunesse pays nous connaît rôle pali, et bien nous même nous dit que excusez-moi, nous dit que justement côté gain groupe moun sa yo même qui t'a fait manifestation par yo, et bien nous trouvons que li regrettable que malheureusement dans pays d'Haïti toujours gain de leur groupe qui viennent profiter dans situation pour venir créer des ordres, pour venir créer justement violence, et nous même nous dit que
vraiment nous condamner et prendre toutes mesures qui pourra prendre pour mener enquête pour qu'on ait justement et qui monde qui à l'origine de des autres ça yo pour yo même yo puni selon ça la loi prévoit. Maintenant et tu viens dire des monde qui n'a pas tout Caribe challenge. Tu annoncé mouvement parallèlement que des groupes politiques yo même tout est annoncé mouvement yo même yo radicalisé position par rapport à l'administration président Jovenel Moïse là. Comment on voit ça et est-ce que au niveau de la présidence et nous essayer garder qui réponse nous capable porter par rapport avec revendication que tu as gagné sous béton hier là. Revendication ça était je me dis là revendication c'est de revendication et 17 octobre la salté au départ c'était effectivement groupe moun sa yo en dans société civile pays en dans pays noir et bien qui fait des revendications que nous doit dire que rejoindre dans tout pays qui a fonctionné côté groupe moun sa yo même yo mandé à l'état des comptes d'accord par rapport à l'argent qui était bail au nom de République d'Haïti par rapport à l'argent que on petit tout petit moins a bien pour bail donc qui nous ouais ça nous même nous ouais ça en tant que là nous dit nous même n'a parlé de haute autorité pays yo nous ouais ça comme on nous doit dire une revendication normale et d'ailleurs président Jovenel Moïse l'un et discours que lui a adressé le 17 octobre nous parle parler de ça et bien et parler et de Petro-Caribe à clair et il dit à clair lui même ça il pensait il dit que monde qui utilisait l'argent l'état en mauvaise condition et bien yo même yo pral gen pour rendre compte à gens yo utilisé l'argent l'état et si yo identifié que des qui utilise l'argent l'état effectivement dans mauvaise condition et ben yo gen pour yo prendre sentence yo mais c'est que nous président Jovenel Moïse répond le discours 17 octobre là à clair à question Petro-Caribe ça à état compte que groupe dans société civile là a mandé mais c'est que ça était l'un des moments forts et de ce discours du président de la République en ce 17 octobre côté si gen des monde qui était toujours à poser tête aux questions au final qui position président qui ça le penser et bien parce que président dit à clair et l'un discours et bien tout le monde qui utilisait l'argent l'état mal et bien il y a gain pour prendre compte et si effectivement il arrivait que le prouver selon un procès et le président parlait de procès selon un procès qui fait dans les normes et me penser que son autre aspect dans discours qui très important tout et Serginho le président dit que pas gain piqué devant que procès a il faut le faire dans tête frette et effectivement et ben si et gain des monde qui t'arrivé identifier que yo utilisé l'argent l'état mal et bien le président Jovenel Moïse li a clair et bien la justice doit faire wol li pour lui justement lui mettre sentence qui approprié par rapport avec et malhonnête acte malhonnête ça que monde que procès a identifié qui utilisé mal l'argent Petro-Caribe maintenant par rapport aux politiciens moi pense que en dans discours en tout nous jouons nos réponses en dans discours en tout nous jouons même deux types de réponses côté président Jovenel Moïse dit que il faut que nous fini avec division faut nous fini avec situation ça yo qui mette pays nous dans état que lié à président Jovenel Moïse parlait à clair avec tout le monde, les cités non, tout le monde, les cités non, les cités groupes, ils parlaient de politiciens, ils parlaient de élite, ils parlaient de ouvriers, ils ont parti dans le discours, même ils décantaient, ils parlaient de intellectuels, ils reprennent rêve empereur Jean-Jacques Dessalines, et ils disent que faut division ça suspend, ils disent que empereur Jean-Jacques Dessalines, c'est papa pays alté, son seul bagage qu'il avait dans la tête, c'est l'union de tous les Haïtiens. Et l'union pas qu'a fait la division, l'union pas qu'a fait la violence. Donc c'est en réponse tout à question que ou posez maintenant que qui sa présidence l'a pensé de politicien. Yo. Présidence l'a pensé que politicien c'est d'un pays à yoyer que tout le monde a un rôle pa yo pour yo jouer, mais que rôle là c'est pas rôle division, rôle là c'est pas mettre du feu, rôle là c'est pas craser briser, rôle là c'est gens pour Jean-Jacques Dessalines nan te vle qui malheureusement rêve pas là pas comprendre pas tout le monde qui était dans le pays d'Haïti en 1806 et bien lui-même président Jovenel Moïse lui invité qui tout politicien qui tout élite commerciale qui tout élite intellectuelle qui tout ouvrier qui tout professeur lui invite pas rentrer dans la division pas rentrer dans la corruption ça son premier parti la réponse que ou la question côté dimné la réponse que président Jovenel Moïse portait
Et toujours par rapport à la question, il y a une deuxième réponse que le président Jovenel Moïse pote, et je pense que l'insister en pile dans le discours, l'insister en pile. C'est là qu'il dit que lui-même l'a prôné l'union. L'a prôné l'union. L'a invité tout le monde à participer dans le développement du pays. L'a longé même par tout le monde, Serginho. Et je pense que c'est très important pour nous dire le jour et jeudi, qui c'est 18 octobre, qui c'est le lendemain, que le pays nous a malheureusement et ils vivent des moments encore difficiles. 17 octobre, là, ça lié. 17 octobre, là, c'est un moment triste dans l'histoire pays nous. Hein? Côté que, à l'époque, en 1806, eh bien, empereur Jean-Jacques Dessalines, il n'a pas de comprendre le rêve que l'on a gagné. Hein? Et haïtien, pareil, Jean-Président Jovenel Moïse répétait dans le discours, eh bien, il a tout yé. Qui ça, 17 octobre, représentait pour nous? 17 octobre représentait pour nous un moment côté chaque haïtien doit réfléchir sur signification et événement triste. Sur ça, ça voulait dire pour nous en tant qu'haïtien. Pour ça, ça voulait dire pour nous, est-ce que nous avons continué la violence qui l'a assassiné au monde? C'est violence. Est-ce que nous avons continué la division? Lors où montrer, lors où assassiner un empereur, c'est parce que ou pas d'accord avec ça qu'il voulait faire. Est-ce que n'a continué dans intolérance lors assassiner monde qui était bail indépendance là? Ça veut dire que ou pas même essayer parler avec elle, ou pas même essayer faire dialogue là. Donc date là c'est ça ça veut dire pour nous. C'est reposer tête nous question ça en tant que monde qui vivent 212 ans après événement ça. Est-ce que nous voulons continuer dans la violence? Est-ce que nous voulons continuer dans l'intolérance? Est-ce que nous voulons continuer dans la division? Ou bien est-ce que nous apprenons rêve Jean-Jacques Dessalines en main en tant que société 212 ans après pour permettre tout le monde participer dans la richesse pays? Parfait. Et nous avons dit que c'est très important, Serginho, pour après 17 octobre, 18 octobre, que malheureusement, 212 ans après, il y a deux personnes qui mourent, il y a blessés, il y a des personnes qui ont des business encore une fois, que vous voyez, wash sous vous, que vite vous crasez. Moi, c'est que c'est très important encore pour nous adresser nous à la société haïtienne. Là. Et Jean-Président Jovenel Moïse dit là, c'est le moment de l'union, c'est le moment d'oublier tout chirépite pour. Et Président Jovenel Moïse dit là, et c'est rare que il y ait des monde aussi haut placé dans l'état utiliser certains mots, il utiliser rouge, il utiliser noir, il utiliser monde riche, il utiliser monde pauvre, elle a parlé de union qui est nécessaire là. Donc quelque part président Jovenel Moïse ramassait toute tort, toute difficulté, tout élément de que haïtien mettent en tête de division en dans pays là. Lors parler de moun rouge ou mettre en face ou mettre en face la tête tout moun noir. Lors parler de moun riche ou mettre en face ou et moun pauvre. Enfin. Donc il prend ça yo, il mettait le devant population 17 octobre, il dit faut division ça yo. Division ça que nous mettons en tête nous. Faut que li fini, c'est le moment de l'union, c'est le moment de la construction, les ramasser rêve Jean-Jacques Dessalines pour tout haïtien sans distinction. Profiter de richesses pays. Parfait. Là maintenant, sur la question Petro-Caribe, parce que tout le monde a pris mon cap gardé, dit que ça fait arriver là, c'est question mouvement et Petro-Caribe challenge. Là. Et les gens qui sont dans le mouvement, ça, ils ont même dit qu'ils ont souhaité gagner des signaux clairs qui baillent. C'est vrai que le président a parlé plusieurs fois sur la question Petro-Caribe. Hier encore, je me disais, on va parler de ça, puis devant, on a parlé de discours là. Mais il a dit qu'il y a peut-être un signal. Il y a peut-être que le président montre effectivement la créer conditions pour que les gens qui ont participé dans le fond ça viennent rendre compte et déterminer pour la justice qui a déterminé s'il y a coupable ou pas. C'est là niveau ça, c'est là qu'il la présidence. Par contre, est-ce que ça arrive dans nos oreilles nous? Et s'il arrive, qui ça signale au pral? Il y a un jour qui a pour qu'on pas obligé de mouvement de temps en temps dans le pays qui a entravé le fonctionnement normal à Haïti. Ce qui permet moi faire un petit commentaire personnel, d'accord. Et moi pas penser que c'est à cause de mouvement Petro-Caribéa que nous que 17 octobre là vinn gen deux moun mouri ou bien vinn gen blessé. Jean nous dit et Jean et nous toujours dit en dans société a c'est normal et au contraire ça montrait
que société haïtienne là son société malgré ça nous avons besoin de faire comprendre que son société léthargique, que son société moun mouri, que son société que personne que la jeunesse pas veut impliquer. Non, au contraire, mouvement Petro-Caribe Challenge là, nous même nous comprenons comme un mouvement que constitution lui-même qui reconnaît droit à tout le monde pour le manifester et nous comprendre que au contraire ça montrait que jeunesse haïtienne là lui-même lui voulait impliquer là et nous gain droit dit vie paysan et au contraire au niveau de la présidence gain en pile action qui prend et nous pral parler de ça et président t'a parlé de ça au sein de discours pour permettre plus d'inclusion de la jeunesse haïtienne dans le pays noir, particulièrement inclusion économique avec le programme PAPEJ. Mais nous pourrons parler de ça, je ne connais le programme PAPEJ, c'est un programme que le gouvernement, que le président Jovenel Moïse mettait sous pied pour permettre aux jeunes de participer à un concours de plan d'affaires pour qu'ils joignent, nous avons droit dire des crédits, de l'argent à de meilleurs taux. Donc pour nous, nous pas penser que c'est des mouvements sociaux qui créent des ordres dans le pays. Nous pensons que c'est malheureusement, nous avons droit de dire, des gens qui ont utilisé des prétextes pour régler affaires payo qui fait que violence, division qui toujours été dans le pays. Vous avez fait un peu de prétexte? Mais non, nous-mêmes, nous pas quitter mon gain prétexte, yo même les gain de mauvaise foi, mon toujours à utiliser des situations pour régler affaire pa yo, pour arriver l'agenda pa yo. Mais pour me répondre kounya et pour me continuer répondre à question pour là, et est-ce que gain des signaux clairs qui pral bail par rapport avec Petro-Caribe? Encore une fois, je reviens au discours du président de la République. Les signaux sont là. Le président a adressé le problème. Le président a dit qu'il est pour ce procès Petro-Caribe. Le président s'est même retourné auprès du premier ministre pour lui dire encore une fois combien il est important d'adresser le problème de la corruption. Encore une fois, combien il est important pour envoyer ce signal à la société haïtienne que le nouveau leadership d'Haïti est un leadership qui combat la corruption, donc qui va mener à bien et à terme. Et nous avons droit de dire, lutte ça pour comprendre qui côté l'agent Petro-Caribe a fait. Et je pense que c'est très important tout pour nous dire que oui, n'a fait li. Oui, président Jovenel Moïse, oui, dit encore dans le discours 17 octobre là, le procès se fera. Il faut que nous connaissions côté l'agent a fait, côté l'agent fait et ça y a fait à l'agent. Deuxièmement, président Jovenel Moïse était très clair pour lui que faut qu'il fasse dans tête frette. Et là, si vous permettez, moi, parce qu'on parle de signal clair, faut qu'il fasse dans tête frette, il ne faut pas qu'il pique devant, il faut que les gens qui sont réellement coupables, et moi, c'est que le très important aspect, ça, dans le dossier Petro-Caribe, à Serginho, il faut que les gens qui sont réellement coupables, il faut que les gens qui réellement utilisent l'argent, ça, dans les mauvaises conditions, il faut que c'est eux-mêmes que la justice reconnaît coupable. Ça veut dire que faut justement procès ça, li fait dans le respect des normes, li fait Jean-président Dia sans piquer devant tête frette parce que c'est gen droit un procès qui plus important qu'a fait dans le pays d'Haïti. D'accord, côté que l'État a voyé un signal clair que l'ordre dans l'État ou là pour servir peuple haïtien ou là pour utiliser l'argent état au service du peuple haïtien, parce que là où c'est responsable dans l'État, qui wolou, wolou c'est pour créer conditions pour richesse qu'a fait, wolou c'est créer conditions, créer de mesures pour richesse la qu'a distribuer. Là nous dit distribuer, ça veut dire que pour tout monde joindre. Donc moi c'est que ou parlez de signal clair, c'est un signal qui pique clair yo, que pour j'ai besoin de faire comprendre que comme quoi, président Jovenel Moïse tape dossier Petro-Caribe, hier, il dit que ce n'est pas le cas du tout. Le deuxième élément, c'est que faut qu'il fait dans des bonnes conditions, pas qu'il pique devant, c'est la tête frette. Et la tête frette, là, pour qui ça? Pour que justement, c'est le monde qui est vraiment coupable, qui est en prison, si il est en prison, qui pour condamner, si il est condamné. Donc, moi, c'est que c'est des éléments vraiment très importants que je voulais mettre. Et l'autre élément tout qui est important par rapport à procès Petro-Caribe,
Nous connaissons que le dossier a lui-même au niveau cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Donc, c'est très important tout pour la population comprendre que le pays nous a des lois, le pays nous a un système, un gens qui fonctionnent. Et bien, justement, selon le système, ça, pour l'instant, c'est le cours supérieur des comptes l'en lié. Et le président Jovenel Moïse avait rencontré justement les membres de la Cour supérieure des comptes et a expliqué que le Pralbay, en tant que président de la République, selon sa constitution, permet tout encadrement à l'institution ça pour le faire, job ça, j'en sa doit. Sauf fait trois groupes politiques qui croient que là, ils n'ont pas pensé. L'administration est là, capable de vivre faire et process, bien créer conditions pour process en fait. Dans quel niveau quoi, la présidence a donné confiance à groupe ça qui a parlé dans ce sens, Mme Chandler. Moi, je pense que, et j'aime dire tout à l'heure là, ce n'est pas le président de la République qui est le responsable de la justice. D'accord? Lui-même, il fait partie du pouvoir exécutif là. Et en tant que président de la République, lui-même, il faut créer toutes conditions pour tout élément, toute institution dans la société, qui a fonctionné, j'en sa doit. Et c'est justement ça, président Jovenel Moïse n'arrête pas de dire que lui-même, il voulait que le process a lui-même, il fait tête frette, il pas fait non piquer devant, et que l'institution qui est responsable selon la loi, selon le système, nous pour porter dossier ça, que l'institution ça a fait dans la tête frette, notamment pour l'instant, c'est dossier à au niveau de Cour supérieure des comptes, il dit encore que la porter en tant que président de la République, j'ai une constitution en lui-même, lui permet l'encadrement à l'institution ça pour jouer au rôle. Puisque dans le dossier Petro-Caribé, hier, le président de la République, Jovenel Moïse, Jean-Paul a souligné la TF, machin de ça, dans le discours liant. Pour que ça, pour ne pas attendre, on bout dans l'intervention, chef l'État, pendant que tu as parlé sous le dossier Petro-Caribé, c'était Marchand de Salines, dans l'occasion de 212 années assassinat Papa Nation. Là, nous devons devant nous. Nous devons devant nous. Nous demandons nous pour nous bulletin, vote nous pour mal diriger nous. Nous te dit nous bulletin, ça, son bulletin. Nous prenons maintenant banque, ce n'est pas nous une, nous prenons mettre. Mon marchand de Salines, je dis à nous commencer à la banque, nous retirer bulletin nous, parce que marchand de Salines, il y a lumière. Marchand de Salines, terrain football a construit, magistrat a dépassé, des bombes aussi. Nous avons bibliqué le Nouveau Testament, petit bib petit, a dépassé son petit bib, je dis à magistrat, bon, on lui second. Nous avons un gros bib. Nous avons un gros bib. Eh bien, nous avons la Bible tellement lourde, c'est le Premier ministre de l'Ojilbel. Chaïla lou, même pour te magabodel, ou même l'Ojilbel, le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, parce que magistrat, comme ça, le sénateur, grâce à Delphat, qui s'est parlé là, comme ça, vous voulez. Et ça, vous voulez, vous voulez bien net, peuple haïtien, même Jean-Papa de Salines, vous voulez bien net, peuple ça. Alors voilà pour précision, président qui était surtout parlé de Marchand de Salines, réalité jeudi à, qui commence à changer, avec courant qui arrivait, avec Parc Saint-Clair, hein, qui va le tourner au Parc Flambant Neuf, et pendant toute semaine, l'équipe de tournage Télévision Nationale d'Haïti a visité Travail Sayo, et la réalité a, qui a changé au niveau marchand, il y a satisfaction à côté de marchand, Madame Chandler, selon données nous nous même dans la présidence. Eh bien, nous pensons qu'effectivement, il y a un gros effort qui fait au niveau de Marchand de Salines pour porter justement courant ça à travers l'installation ça. Vous bon, non, il pas de compte, non, c'est Parc Saint-Clair. Parc Saint-Clair, merci beaucoup. Au niveau de Parc Saint-Clair, côté, eh bien, responsable, nous avons droit à dire, énergie dans le pays d'Haïti annoncé justement en collaboration avec EDH et bien fait ça doit faire pour et bien réalité courant et bien lui-même l'établi et dans marchand de Salines. Moi pense que et justement pendant que moun yo même surtout moun qui voulait et nous gen droit dire qui c'est des opposants radical à président Jovenel Moïse a dit que pas gagné cap fait dans pays a etc. Moi pense que et Parc Saint-Clair c'est un exemple et côté que sa président Jovenel Moïse dit que l'a fait et bien lui-même il mettait toute énergie avec équipe li justement pour réaliser pour contribuer à développement pays d'Haïti. Et c'était un élément tout important dans le discours président 17 octobre, côté président Jovenel Moïse dit que, en réalité,
pas qu'à gagner développement dans le pays d'Haïti sans pas gagner courant. Pas qu'à gagner développement dans le pays sans pas gagner de l'eau. Pas qu'à gagner développement dans le pays sans pas gagner route. Et justement, n'a pas reprendre ça pour tout le monde qui a coûté nous. Faire l'opposition, c'est une, mais faire un consensus sur le minimum qui supposait exister dans le pays hier, son lot. Et encore une fois, président Jovenel Moïse, dans son cri solennel hier, il l'a bien dit, un cri solennel pour combattre la division, pour combattre la violence. Président Jovenel Moïse, oui, dit encore, et ce n'est pas la première fois qu'il dit le discours. Président Jovenel Moïse dit, il n'y a pas de goumé à personne. C'est président pays allié. Là, on monde vient président pays. Ou pas vient goumer à personne. Au contraire, ou vous mettez tête au devant pour rassembler tout le monde pour aider pays nous en sortir dans sa liée. Président Jovenel Moïse dit encore, il n'y a pas de goumer à personne. Il vient goumer contre la vie chère. Il vient goumer contre l'exclusion. Il vient goumer justement contre tout tort qui existe dans la société qui empêchait la société nous à avancer. Donc, pour répondre plus particulièrement à la question là, par rapport avec Parc Saint-Clair, oui, effectivement, nous pensons que c'est un exemple de toute action, tout effort que l'administration président Jovenel Moïse avec toute équipe li a fait pour permettre pays nous arriver finalement sur route développement. Et, si vous permettez de dire, Serginho, président dit encore hier, et je pense que élément ça c'est li nouveau peut-être dans discours mais faut prêter attention à lui côté que bagaille pas faite en un coup d'éclair. Moi c'est que c'est terme exact que président Jovenel Moïse t'a utilisé hier dans discours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que changement prend temps. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous connaît et c'est pas la première fois que moi-même en tant que porte-parole président de la République m'a dit personnellement. Nous connaissons et nous conscients de situations difficiles économiquement et socialement que pays noirs ni même la connaît, la vivent. Cependant, nous obligés dit tout que changement pour situation ça justement li croapé, li pas existé encore et bien changement la longue. Les mauvaises habitudes, excusez-moi, on l'a dans dur. Ça veut dire que nous faisons quand même un pile temps côté n'a agi, côté malheureusement, ce n'est pas toujours l'intérêt collectif, l'intérêt commun, le bien-être de tous que nous sommes. Malheureusement, et plus ça yo là, et bien pour changement en fait, changement prend temps. Mais président Jovenel Moïse réitéré encore hier, l'indiscours là, volontel, pour tout le monde et pour le rencontrer, pour le mettre tout le monde en changement ça, un changement qui prend temps, parce que style de changement ça, ce n'est pas un coup d'éclair, Jean-Président dit, que la fête. Et on l'autre élément important, tout, Serginho, en un discours ça, et le président peut-être répondre à un reproche que certains monde toujours fait lui. Que le président pensait que c'est lui qui a fait toute bagaille, que le président allait tout côté pensant que c'est lui-même seul qui a agi dans la société. Pensait que le président Jovenel Moïse dit qu'il y a clair dans le discours. Il n'a pas fait bagaille pour contre lui. Il dit. Et c'est peut-être pour répondre à la critique sa yo qui voulait faire comprendre que le président Jovenel Moïse croit que c'est lui seul qui a agi, que c'est lui-même seul qui a fait. Ailleurs, dans le discours, le président Jovenel Moïse parlait très clairement. Changement ça yo style de nous on doit dire processus ça pour mettre route nous définitivement sur chemin développement c'est pas un grand monde qui ka fait li pa ka fait pour compte li besoin participation tout le monde mais on regarde des remarques tout qu'on fait comme quoi président moi en pile dossier ensemble mais c'est que son l'autre élément dans discours que président Jovenel Moïse prend et répond justement à reproche que on fait li côté que il dit que qu'on dit que il touchait effectivement en pile dossier en même temps. Je me dis quoi qu'il trop embrasse par les traits. Oui, mais président dit tout en dans discours. Lors où en situation par rapport à la santé, est-ce qu'on a quitté parce qu'on pensait que c'est éducation puis bon, lors où est que professeur même yo pas touché parce que contrat était mal ficelé. Est-ce qu'on a dit me pas moyen dossier ça, c'est route qui plus important. Donc, président répond ni tout. Oui, effectivement, tout est important, mais
et li pa ka kite youn parce que et follement yè l'autre là sauf que me besoin di pour à moun k'ap koute nou yo si président lui-même li juge que li important pour toucher dossier yo parce que ou pa ka kite youn pour prendre l'autre li important tout pour nous tout nous connaît que gen des actions qui joignent plus énergie et par rapport avec des choix et c'est là tout que fort population connaît que gagne cet axe prioritaire en dans administration président Jovenel Moïse là côté que effectivement président Jovenel Moïse dit encore hier que ou pas qu'à quitter youn pour prendre l'autre parce que toute bagaille faut qu'il fait mais toute bagaille a fait justement dans la logique des sept axes prioritaires ça veut dire que a fait pour moun penser que c'est des actions qui sont sans définition des actions qui sont plan que n'a touché à toute bagaille sans pas connaître qui ça n'a fait c'est tout à fait faux n'a touché à toute bagaille effectivement mais dans la logique d'un plan dans la logique d'une destination dans la logique des sept axes prioritaires de l'administration du président Jovenel Moïse. Là, tout est-ce que pas nécessaire, Madame Chandler, pour que gagne des dispositions, pas pour mettre tout groupe à l'aise, que ce soit mon secteur privé, et mon classe politique, et n'est-ce pas, les autres groupes organisés, ou, par rapport avec ensemble de mesures que le président a fait, parce que au final, c'est pour les mesures généralement. Maintenant, il faut qu'on ait senti confortable, parce que tu as comme impression gagner des goyes, bon côté groupe ça aujourd'hui, par rapport à l'action administration président Jovenel Moïse. On pense que la façon dont le pouvoir a réagi après l'événement 6 juillet a montré que le pouvoir lui-même voulait mettre tout le monde à l'aise. Pas oublier qu'il y a des séries de rencontres qui étaient faites dans le palais national avec le président Jovenel Moïse à la suite de ces événements du 6 et 7 juillet. Côté président, il a rencontré tout le monde, il a rencontré tout secteur privé formel, secteur privé informel, secteur protestant, secteur catholique, secteur vaudou, pour ne citer que cela, secteur militant, secteur parti politique. Donc, et si dans un premier temps, il était question et de comprendre, il était surtout question d'écouter tout le monde pour aider le président, orienter le président ou bien éclairer le président sous choix premier ministre. Là. Mais le monde qui était assisté à rencontre ça, a témoigné qu'il était aussi question d'entendre et ça, secteur important dans la vie nation pays nous, il y a pour dire dans le développement pays. Là. Donc, moi, c'est que l'inclusion, ça que vous avez dit là, et le président Jovenel Moïse t'a montré, entre autres, après événement 6-7 juillet, il t'a toujours montré, entre autres, en ouvrant le palais national aux différents partis politiques, différentes rencontres qui étaient faites dans le palais national avec les différents partis politiques, tout le monde t'a invité. Donc, moi, c'est que le signal était toujours voyé et signal à continuer voyé parce que Jean Oudilna Serginho, le président de la République ne dirige pas pour lui, le président de la République dirige pour la nation et la nation est composée de personnes qui doivent participer à ce développement et à la vie de la nation. Le président de Zivana Toutkapalien, la stabilité c'est premier des biens publics et tout ça qu'a dit là pour le fait faut gagner quand même une stabilité politique certaine dans le pays là qui va permettre que ben les projets programmes tout ça le gagner axe prioritaire yo river atterrir tout bon vrai madame la Jean. Stabilité politique la création d'un environnement serein pour gagner plus job qui pour créer pour gagner plus jeunes yo même qui capable avec idéoa et à travers justement différents programmes que administration mettait sous pied notamment programme papège là pour joindre l'agent du financement à de meilleurs taux, à des taux que même qu'à rembourser. Donc, effectivement, stabilité politique, effectivement, création d'un environnement propice au climat des affaires, effectivement, et création de mesures, d'actions, d'initiatives qui favorisent jeunes, qui favorisent l'entrepreneuriat. C'est tout ça que l'administration a fait et pourra continuer à faire. Mais Jean-Président dit hier, et je pense que c'est des éléments très importants, changement, il n'y a pas qu'à faire pour contre lui, il a invité tout le monde à participer dans le changement. Il a attendu le, nous pas dit le rameau d'Olivier, mais en attendant le président lui-même, il ouvre le bras, bail tout le monde encore, côté lui dit, il faut nous couper division, il faut nous couper violence, il faut nous couper exclusion. Lui-même, il a pour bail tout le monde place, tout le monde joue rôle dans le pays d'Haïti. Et deuxièmement, Jean Tabdia, création ça de stabilité ça, eh bien, c'est faut tout le monde participer pour gagner plus création d'emplois, pour jeunes pas partir, pour jeunes mettre intelligence, créativité
au service du pays. Mais fuck, et là, moi, dis encore, fuck, et ouais, historique 1806, là, nous prenons leçon de lui. Division, intolérance, violence, pas servi en rien. C'est justement ça, yo, qui fait que 212 ans après, malheureusement, malgré que nous faisons qu'aucune chaîne d'action historique, côté que nous c'était premier peuple esclave qui libérait tête pour construire une nation, eh bien c'est malheureusement avec violence, là, avec intolérance, là, avec division, que 212 ans après, nous pas rempli wall mondial nous, qui pouvait continuer à éclairer Jean Noutefel en 1803-1804. Et ma redis encore, président Jovenel Moïse invite tout le monde à participer dans le développement. Ça. Il a lancé un cri solennel. Il a repris à chaque fois l'union, quoi paix division, quoi paix intolérance, pour tout le monde participer dans la richesse pays, avec la stabilité politique, avec la création d'un bon environnement, pour le monde qui voulait participer, tout qui n'est pas haïtien, qui l'autre bord qui voulait participer, contribuer à les affaires, avec les affaires, venir investir dans le pays, et même pour rejoindre une bonne condition, ça y est, pour tout le monde qui a joué, tout le monde qui a joué. J'ai dit, tango à ça, de le danser, et c'est comment faire l'autre, et mon en face, une chita sous table là. Vin fait dialogue sa président Palia, c'est comment on fait ou quoi nécessité pour que c'est pas sous béton, oui, c'est sous table là. C'est ça la grande question, je dis à tout. Je pense que la grande question, elle est là. Et Kounia, je pense que la stratégie que nous-mêmes avons utilisée, qui c'est stratégie dialogue là, qui c'est stratégie dit que nous-mêmes nous parlons, qui c'est stratégie que nous connaissons, que nous ne pouvons pas faire pour nous, qui c'est stratégie pour nous dire que nous parlons en division. Qui c'est stratégie que nous dit nous parlons exclusion, qui c'est stratégie pour dire que tout le monde avec nous et n'attend tout le monde avec nous, c'est la meilleure stratégie, qui c'est stratégie qui était tout le monde tout exprimer opinion et tout. Et mais dans la loi, selon sa constitution pays a dit, hein, moi c'est que petit à petit, monde qui vraiment aimait pays, hein, monde qui pas dans l'autre agenda caché, à comprendre que stratégie ça, c'est la bonne. Et que faut qu'on minimum qui fait dans le pays pour tout le monde qui vive. Et puis après ça, bien entendu, un pays n'est pas composé de 100% de monde qui est d'accord avec même idée. C'est ou bien doit là, ou soit dans la même famille, ou bien frère, ou bien soeur, ou bien même maman, papa, qui n'a pas la même opinion avoir, qui n'a pas la bagaille, qui n'a pas la que pomme là, même gens avoir, même couleur avoir. C'est pas le problème là. Le problème c'est que au moins nous entendons pour un minimum qui pour fête dans le pays pour tout le monde qui a senti au bien. Et minimum ça, président Jovenel Moïse paraît pour le bailli qui c'est route, qui c'est de l'eau, qui c'est courant entre autres pour permettre le développement pays. Là on parle de ça changement, le président souligne dans tout discours généralement, le président parle en pile de question changement qui va pas venir du jour au lendemain, la prend temps. Mais est-ce que là tout pas amendons certaines pédagogies pour expliquer la population, mais qui ça a été appuyé, mais qui ça a route l'amende, mais qui sacrifice tout ça exigé, mais qui ça voisin moyen, Mme Chandler. Eh bien, je pense que les voisins moyens, le président toujours dit que pour l'instant, ça qui est très important, c'est que l'a utilisé l'argent qui est dans l'État pour le mettre au service de l'État. Donc, le président, par Jean Caché, dit que les ressources pour l'instant ne sont pas les ressources que nous avons espéré gagner, joindre l'un de nous pour nous faire ça, ça nous gagne pour nous faire, hein? Mais elle a utilisé les ressources que l'on a mis au maximum, notamment en réduisant le train de vie de l'État, notamment en luttant contre la corruption, notamment en luttant contre toute mauvaise bagarre qui compte faire dans l'État pour empêcher et justement que l'argent qui gagne l'utiliser à bon terme. Donc, moi, c'est que justement, ça fait partie de questions ou posées. Maintenant, regardez la réalité, je veux dire, contexte ça, et regardez le discours du président Jovenel Moïse, est-ce qu'elle arrive à répondre à sa réalité, à sa contexte, à vivre là, Mme Chandler? Contexte là, ça lié. 17 octobre, année 1, 212 ans,
après l'assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines, son mouvement qu'a fait en d'un pays a, qui utilisait, non pas qu'a dit qu'il utilisait, qui demandait, qui font manifestation dans date ça pour réclamer état de compte par rapport à qui Jean l'agent s'en a dépensé et ça y a fait avec en d'un discours, a, président Jovenel Moïse adressé encore situation ça et li parler à clair parce que nous fait toute nous qu'on doit dire interview à parler de aspect ça et situation qui s'allier son situation côté et 212 ans après assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines gen des monde dans pays a qui toujours pas profiter de richesse pays a toujours gen exclusion toujours gen pauvreté penser que par rapport à situation ça président Jovenel Moïse adressé à clair en dans discours il pas ka gen division pas ka gen violence pas ka gen exclusion ça pas mené en rien ça pas servi à en rien ça mène nous côté nous aujourd'hui a côté que c'est pas tout monde en dans pays d'Haïti qui a profité qui a vivre bien en dans pays d'Haïti me pense que il a adressé problème là Jean Saïa en oublier division et moun noir et moun rouge en oublier division moun riche moun pauvre en nous tout nous pote coller quel que soit kotoya koto sotia pour nous faire minimum ça c'est dans contexte ça nous est nous dans contexte nous gain droit dire m'a reprendre encore Petro Caribe challenge côté li adresser problème là nous dans contexte côté socialement économiquement pays a pas capable encore un dit clair donc c'est ça ça montre tout que quelque part pays a souffri et président Jovenel Moïse adressé à souffrance peuple là côté division violence exclusion c'est ça yo qui mettait nous dans ça nous aujourd'hui a lui même il mandait tout le monde vient participer il lance son cri sonanel pour couper division pour couper exclusion pour tout le monde ouais intérêt collectif ça qui c'est minimum ça pour nous établir le pays d'Haïti, pour tout le monde qui vit, parce que, effectivement, le pays n'est pas capable encore. Et le président Jovenel Moïse dit la clé, lui-même dit là, pour faire changement ça, vivre fait dans le pays noir. Nous avons un contexte jeune tout qui le perd de l'espoir. Vous parlez de programme Papège, le président a souligné un discours ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Le programme Papège, la salie en réalité, et son concours de plan d'affaires côté des jeunes, et soumettre à un jury, à des mounes, et qu'ils ont choisi, eh bien, idée avec qu'ils gagnent à partir de créativité. Yo, pour mettre des entreprises en dans pays a pour yo même yo faire l'argent pa yo et pour yo capable bay plus job et bien justement gen des concours qui détant réalisé et des jeunes qui gen gagnent et qui a profité de financement justement à un taux et nous gen droit dit qui intéressant pour yo donc justement n'a compté sous jeunes yo n'a félicité dynamisme jeunesse haïtienne là et dynamisme jeunes haïtiens yo qui yo même yo croient en tête pa yo toujours. Moi, c'est que c'est très important tout pour nous dire que jeunesse haïtienne, malgré tout ça, vous voulez faire nous comprendre, jeunesse haïtienne, elle croit dans la tête toujours et elle croit qu'elle a toujours fait des actions positives dans le pays qui font un changement. Donc, oui, nous comptons sur jeunesse là. Oui, nous avons encadré jeunesse là, notamment avec Action ça, notamment avec toute action qu'au niveau de Alpha Haïti, nous avons fait, notamment de toute action que nous avons fait au niveau de l'éducation nationale pour remettre le système éducatif nous en sous-pied. Donc oui, non seulement nous avons compté sous jeunesse là, mais nous avons encadré jeunesse là, Jean Sadoua, avec différentes mesures que nous avons pris en faveur. Parfait. Il y aura de grandes décisions après le 17 octobre par rapport avec Jean Malaté hier dans la rue, non? Moi-même, je dois dire que réaffirmer que le président Jovenel Moïse, depuis qu'il est monté sous pouvoir, il est toujours à l'écoute. Malgré ça, mon Dieu veut faire comprendre, il est toujours à l'écoute. Et c'est parce que, depuis même avant qu'il était président, il était à l'écoute et il a vécu dans le peuple que il était un programme ça. Qui programme lié? Programme faire route là, programme mettre courant, programme porter de l'eau, pour de l'eau lui-même, il suspend tuer monde, pour de l'eau porter la vie dans sa droite. Pour route yo connecter haïtien entre yo parce que là nous faire route ça lié c'est haïtien qui cap vivre un côté en dehors j'en dis là cap capable finalement rencontrer haïtien cap vivre l'autre côté qui puis bon faut faire communication ça pour faire connexion ça oui le président de la République Jovenel Moïse a toujours été à l'écoute de la population haïtienne sera toujours à l'écoute de la population haïtienne et a toujours prend pendant mandat là j'en ai toujours dit là les dispositions
approprié pour faire pays d'Haïti sortir dans chimène tête chargée ça que lié aujourd'hui journée aujourd'hui. Madame Martine Denis Chandler m'a pas blessé une porte-parole à la présidence. Je suis content de parler avec vous matin. C'est moment si vous avez pour ajouter pour faire parce que nous allons refermer l'émission. Eh bien nous mêmes n'avons simplement dit encore que nous remercier et police nationale d'Haïti qui prend devoir en main, qui prend rôle en main pour justement accompagner population ni même partie de la population qui t'a manifesté, qui t'a fait et droit constitutionnel ça que yo gagné et nous remercier tout USGPN qui prend rôle en main tout et n'a profité dit tout que encore une fois et n'a réitéré message là, c'est un message de paix, c'est un message d'inclusion, c'est un message que violence, division, exclusion par là-dedans, qui ça nous voulait 212 ans après, nous voulait que le rêve de Jean-Jacques Dessalines y réussit réalisé, à savoir que tout le monde, tout petit pays a, y aura profité de richesse pays d'Haïti, parce que l'État lui-même lui paraît pour lui faire rôle par lui, qui s'est créé condition de création de richesse et s'est créé condition tout pour richesse là lui-même qui a distribué par tout le monde. Voilà, notre invité ce matin, Martine Denis Chandler, porte-parole de la présidence, pour te retourner sous activité qui est marquée 212 années assassinat, Papa Nanchon, Jean-Jacques Dessalines, hommage pour Papa Dessalines, Papa Inclusion, tout haïtien, c'est un thème qui t'est quimbé dans l'occasion. Merci tout le monde, soutenez là en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.